Alors, le musée de l'insurrection de Varsovie, c'était le premier musée narratif en Pologne. Il a été créé dans un temps très court, c'était un an et demi, ce qui est unique à l'échelle mondiale. Varsovie a attendu ce musée pendant 60 ans. Mais alors, c'était la génération des enfants et des petits-enfants, des insurgés. Le paradoxe réside dans le fait que parmi les fondateurs du musée, beaucoup n'avaient pas d'expérience dans le projet muséo. Et les conservateurs expérimentés se montraient sceptiques quant à l'idée de créer un tel musée aussi sérieux dans un laps de temps si court. Mais le musée est construit et aujourd'hui, après 13 ans de notre existence, on ne registre pas la baisse d'intérêt. Chaque année, le musée est visité par environ 600 000 personnes, dont un tiers, ce sont des étrangers. Maintenant, si vous permettez, avant de parler du musée lui-même, je vais faire un bref rappel de contexte historique. La date clé pour comprendre l'insurrection, le 1er septembre 1949, quand l'armée allemande envahit la Pologne, c'est après dizaines de jours, en 17 septembre 1949, les troupes soviétiques attaquent la Pologne. Et comme mes collègues ont déjà dit, les occupants ont mené une politique d'une brutalité extrême, c'est-à-dire l'assassinat de l'intelligentsia polonaise, la terreur de masse, le déplacement forcé, les déportations vers les camps de concentration. En même temps, l'Allemagne menait de manière organisée, ce qu'on a déjà dit aussi ici, l'extermination des Juifs. Et tout cela amplifiait le sentiment de colère et le désir de résistance. Déjà à l'automne 1939, dans le pays occupé, des premières organisations clandestines commençaient à se former. C'est le moment où l'État polonais clandestin est né. L'armée de l'intérieur avait deux objectifs principaux. Premièrement, c'était lutter contre le terreur des occupants, mais surtout se préparer à un soulèvement général qui libéra la Pologne du joug des occupants. Et l'insurrection devait éclater au moment où les alliés occidentaux se joindraient au règlement de compte final avec l'Allemagne nazie. La situation a changé au juin 1941, où l'Allemagne attaqua l'Union soviétique. La coopération avec les soviétiques n'avait cependant pas facile. Elle fut finalement interrompue par Staline en 1943. Le mouvement de résistance polonaise devait modifier ses plans stratégiques dans cette situation. L'idée de l'insurrection d'envergure générale était abandonnée au profit des soulèvements localisés contre l'armée allemande. Ces soulèvements devraient se déclencher lorsque les unités de la Wehrmacht battraient en retraite devant l'armée rouge. Et l'armée de l'intérieur ainsi que les structures civiles de l'État clandestin polonais devaient se présenter face à l'armée rouge en tant que représentation à part entière de l'État polonais et comme propriétaire du territoire libre. C'était le but principal. Ce plan stratégique reçut le nom de code d'opération Tempête et mon collègue elle a déjà parlé de ça. En juillet 1944, Staline décida de créer un nouveau gouvernement pour la future Pologne.
complètement subordonné à ses ordres. Ses autorités illégitimes se sont ensuite proclamées seules représentants à part entière de la nation polonaise. Il était clair pour tous que l'avenir de la Pologne serait en mains de celui qui accédera au pouvoir dans la capitale du pays, à Varsovie, libéré de l'occupation allemande. Et en ce moment, le même moment qui est important pour comprendre la décision de l'insurrection, de commencer l'insurrection, c'est que la France se rapprochait de la vie. En décidant du soulèvement, le commandement de l'armée de l'intérieur admit que l'insurrection ne durerait que quelques jours. Et, comme je dis déjà, le but était d'accueillir l'armée rouge en tant qu'hôte. Le soulèvement éclatait conformément au plan, mais les soldats de l'armée de l'intérieur n'ont pas réussi à reprendre toute la ville. Les combats continuaient avec une intensité variable dans divers quartiers de la ville. Et simultanément, on organisait le fonctionnement des partis libérés de la ville, c'est-à-dire nous avons la presse, des radios polonaises, l'administration civile fonctionnait. Cependant, en dépit des espoirs, l'offensive soviétique n'arrivait pas. Les Soviétiques ont arrêté leurs troupes sur les berges de la Vistule en regardant oisivement la ville se battre contre les Allemands. Le soutien de l'Occident n'avait pas également qu'un caractère symbolique et les insurgés perdaient leur position. Les Allemands étouffaient le soulèvement avec une grande brutalité. Je veux dire ici que jusqu'en quelques jours, c'est en mois d'août, suite à l'extermination planifiée, 40 000 habitants d'un quartier de Wola ont été tués. 40 000 dans quelques jours. Et aujourd'hui, c'est justement dans ces quartiers que notre musée se trouve. Les insurgés continuaient à combattre tout en espérant la venue de l'aide. Malheureusement, l'aide n'arrive pas et le soulèvement a déchu le 2 octobre 1944. C'était 63 jours de combat. L'insurrection coûta environ 17 000 insurgés et à près de 150 000 des habitants de Varsovie civile. Les soldats de l'armée de l'intérieur étaient envoyés vers le camp de détention et l'ensemble de la population civile qui était à Varsovie dans ce temps-là était expulsée de la ville. La ville était rasée et sur l'ordre personnel d'Hitler, une démolition complète de la capitale commença. Après la guerre, les insurgés varsoviens furent reconnus par les autorités communistes comme ennemis et avec le temps, l'attitude du gouvernement vis-à-vis des insurgés évoluait. Mais le mémorial de l'insurrection de Varsovie n'était dressé que dans la capitale qu'en 1989. Et l'ouvrage de notre musée en 2004 marque le début du retour de la mémoire universelle de l'insurrection et des insurgés. Maintenant, je voudrais passer à la présentation de notre musée qui existe depuis 13 ans. Et je passe à l'exposition permanente. Qui se trouve dans un ancien central énergétique de tramways municipaux construit au début du XXe siècle. Ce bâtiment que vous voyez ici, ce site est un exemple parfait de revitalisation.
Notre musée dispose de plus de 3000 mètres carrés d'espace d'exposition, dont la plupart, c'est l'exposition permanente. Je choisis trois éléments de notre exposition permanente. Le premier, c'est la réplique à l'échelle 1 de l'avion Libérateur, qui est un point focal de notre exposition. Et c'est la seule réplique de ce type d'avion à l'échelle 1-1 qui existe au monde. Le Libérateur et les autres souvenirs recueillis dans cette partie du musée racontent les actions menées par le soutien aérien lors de l'insurrection. Et dans cette partie du musée, on parle des opérations aériennes les plus difficiles de la Seconde Guerre mondiale. Le second élément, on l'appelle le cœur battant de la capitale insurgée. C'est un monument, c'est un bloc de 12 mètres hauteur qui perfore le plafond et qui a dedans le son de l'insurrection, c'est-à-dire d'authentiques annonces de radio, de chansons populaires, de bruits de coups de fusil. Parce qu'il nous semble au musée que l'impact du son est plus grand que celui d'un texte ou d'une image. Le troisième élément, ce sont les canaux. Le système de canaux varsoviens garantissait une connexion continue entre divers quartiers, entre diverses zones de combat dans Varsovie. Et le passage dans les canaux dans notre musée suscite beaucoup d'émotions. Je passe maintenant à l'éducation historique qui fait bien sûr un de notre activités le plus important. Et il semble que notre offre éducative est très, très attirante. Je vous donne quelques chiffres. En une semaine, 15 activités de groupe de primaire et de 18 pour le niveau secondaire sont organisées. Pendant de 13 premières années de notre activité, les cours du musée ont réuni plus de 350 élèves de différents types d'écoles. En plus, il existe de nombreux ateliers, on organise des jeux urbains et jeux familiales intermusées. Nous organisons aussi des conférences pour les enseignants. La visite au musée de l'insurrection est le point central des excursions scolaires au niveau collège et lycée, aussi bien de Varsovie que de toute la Pologne. Et maintenant, je passe à, parce que c'est résumé de mon présentation en polonais, je passe à des projets culturels et la célébration des anniversaires d'éclatement de l'insurrection de Varsovie. Le musée de l'insurrection propose des événements de façon cyclique, c'est-à-dire le plus important, c'est en juillet et en août, où chaque habitant de Varsovie comprend que le musée, ce n'est pas un lieu d'exposition seulement, mais aussi un ensemble de projets culturels et d'initiatives qui ont lieu en dehors de notre musée, des murs de notre musée. Et ce que vous voyez ici, ce sont deux exemples. Chaque année, on organise un grand concert en plein air. Et c'est du jazz, du rock, de musique classique, musique de film. Nous avons accueilli Tomasz Stańko, Leszek Możdżer, Jan Kaczmarek. Cette année, c'était un concert de Anna Świerczyńska, le poème d'Anna Świerczyńska qui ont été chantés par la jeune soliste de jazz, Monika Bożym. C'est la photo de concert de cette année.
peut-être vous pouvez vous voyez que qui est l'acteur là-bas. Il est aussi populaire en France, c'est Monsieur Severin. Cette année, notre première représentation d'une pièce de théâtre qui est toujours, chaque année, ça se passe au 1er août à minuit. Cette année, c'était un journal tchétchène de Polina Jerebtsova et M. Severin, il était notre acteur de ce monodrame. Ensuite, je passe à des productions cinématographiques du musée, parce que le musée d'insurrection a également réalisé deux productions cinématographiques uniques. Le premier, c'est La vie en ruine, qui était réalisé en 2010, sur le film 3D. C'est une reconstruction en trois dimensions de la vie en ruine d'après des photographies aériennes, de la documentation photographique d'après-guerre. Et le cinéma 3D qui accueille ce film fait partie de notre exposition permanente du musée. Alors, si vous visitez notre musée, vous pouvez regarder ce film. C'est vraiment impressionnant. Le deuxième production cinématographique, c'est L'insurrection de Varsovie, qui était produit en 2014. C'est un documentaire dramatique sur la guerre. C'est une histoire d'aventure montrée exclusivement grâce aux photographies originales datant d'août 1944. Et ce film fut candidat aux Oscars en 2015. Je passe à notre coopération internationale. Vous pouvez trouver plus d'informations sur page internet, c'est mon article là-bas. Le même cas avec le projet culturel, c'est aussi en français. Alors pour finir, deux mots sur la coopération internationale. Le musée est membre actif d'organisations internationales telles que le Musée international des musées, de la plateforme de la mémoire et de la conscience européenne. Et nous réalisons aussi des projets éducatifs dans le cadre du programme européen Erasmus+. Dans l'offre de notre musée, nous avons des expositions itinérantes. Ici, vous voyez les photos de notre exposition qui est sous patronage du président de la Pologne et de l'Allemagne. Et il était déjà accueilli à Berlin, à Munich, à Heidelberg et maintenant elle est à Peenemünde. Et dans une proche avenir, en mars, elle sera installée à Cologne. L'exposition est conçue à destination de visiteurs étrangers et elle est accompagnée d'un catalogue bilingue, c'est en anglais et en allemand, et d'une page internet qui fait partie intégrante. C'est cette page qui est disponible en polonais, français, allemand, anglais, russe et espagnol. Je vous invite de regarder cette page. C'est la vie de Varsovie avant la guerre, pendant l'insurrection. Il y a beaucoup de photos uniques. L'objectif de cette exposition, c'est de montrer que Varsovie, qui a été complètement ravagée en 1944 au cours des combats et en raison de la barbarie intentionnée, renaquit de ses cendres comme le phénix mythique. Pour terminer, Madame et Monsieur, je voudrais vous remercier de m'avoir invité ici. Je peux adresser à vous.
Merci beaucoup.